Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant un extrait de la prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France de Sandre Ars, avec la gageure suivante, tout comprendre en 5 minutes. Je relis le texte pour que nous nous remettions en mémoire. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours. Car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Les idées principales maintenant. Alors, première chose, c'est que ce texte est un poème qui s'ancre dans le réel. On y trouve de nombreux effets de réel, notamment les toponymes. Nous avons également un ancrage autobiographique, il est question de la fugue que Blaise Sandre Ars a bien effectuée à 16 ans, et de lieux qu'il a vraiment visités lors de cette fugue, notamment en Russie. Nous avons également des références au métier de poète, qui est celui de Blaise Sandre Ars, et à la fougue de son adolescence, dont on sait effectivement que c'était une adolescence fort fougueuse. Donc un poème qui, à première vue, semble réaliste. Mais ce réel est déréalisé par l'écriture. Tout d'abord, il y a une formule initiale dans cet extrait, qui est l'incipit du poème, qui ressemble aux formules initiales des contes et qui invite le lecteur à se méfier d'emblée d'une lecture autobiographique ou d'une lecture qui s'appuierait sur l'idée que le poème serait réaliste. On a également des entorses à la réalité. Quand le poète dit qu'à 16 ans, il emprunte telle ligne du Transsibérien, c'est une entorse à la réalité puisque cette ligne ne sera ouverte que l'année suivante lorsque Blaise Sandre Ars aura 17 ans. C'est donc une entorse à la réalité. Tout comme les 16 000 lieues qui n'ont jamais séparé Moscou de la Suisse. Hein, c'est bien plus que ça, 16 000 lieues. Et enfin, le réel est déréalisé par des métaphores qui, sans être des entorses à la réalité, rendent les contours de ce réel un peu plus flous. Je prends deux exemples. Les yeux qui éclairaient des voix anciennes, on a ici un surgissement du surnaturel qui efface en quelque sorte l'intention réaliste. Et puis vous avez cette métaphore finale, cette comparaison pardon, finale du Kremlin comme un gâteau tartare qui a tendance à estomper les contours du Kremlin. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans une représentation réaliste mais dans une représentation déréalisée. Dernière idée de ce texte. C'est un incipit qui va annoncer un parcours poétique. Nous avons dit plus haut qu'il y avait des références au métier de poète, il y a aussi d'autres références littéraires dans cet extrait que je vous laisse retrouver. Je vous indique simplement par exemple les 16 000 lieues qui peuvent être une référence à 20 000 lieues sous les mers et donc au récit de voyage. Vous avez également le passage final qui se présente comme un exemple de la mauvaise poésie qu'était capable de faire Sandre Ars adolescent. Elle est emplie, cette mauvaise poésie, d'images éculées, banales, voire un tantinet grandiloquente. Le Kremlin comme un gâteau tartare, les amandes croustillées d'or, le mielleux, etc. Donc Sandre Ars nous montre à quel point la poésie qu'il pouvait composer à l'époque est mauvaise. Et il nous explique pourquoi elle est mauvaise. Il nous l'explique quand il dit que ses yeux éclairaient des voix anciennes. Ces voix anciennes, ça peut symboliser les vers de la poésie des siècles passés. Ainsi, Sandre Ars nous explique qu'il était, en tant que poète, trop tourné vers le passé et qu'il regardait plus ce qui avait déjà été fait, la poésie en vers, un peu banale, un peu éculée, que ce qui pouvait être fait à partir de son siècle. Donc, nous avons ici, en moins de 5 minutes, vu les idées principales d'un poème qui s'annonce comme un poème réaliste autobiographique, mais qui va déréaliser le réel dont il s'empare pour proposer un parcours poétique. Il s'agit donc d'un récit initiatique du poète à travers la poésie. Vous avez donc tout en main pour comprendre cet extrait de La prose du Transsibérien et de La petite Jeanne de France de Blaise Sandre Ars.